Alors le FC Nantes a des vraies raisons de croire en cette deuxième Coupe de France consécutive, en la cinquième de son histoire, parce que le FC Nantes, c'est une équipe qui sait se transcender sur les grands rendez-vous. Elle l'a démontré cette année en Coupe de France, en quart de finale, en éliminant Lens, deuxième du championnat, troisième du championnat, mais en éliminant aussi Lyon, qui reste une équipe redoutable en Ligue 1. Et puis le FC Nantes, c'est aussi des joueurs qui ont cette capacité à porter l'équipe, à l'image de Ludovic Blas, intenable quand il faut. Et puis bon, il y a évidemment le public, la ferveur, on l'a vu l'année dernière, le Stade de France était tout de jaune et vert vêtu. Donc ça sera un atout non négligeable pour une équipe qui connaît le Stade de France, connaît le protocole d'une finale. Encore un atout sur lesquels les Nantais pourront s'appuyer pour essayer de décrocher ce deuxième titre consécutif. Alors Nantes a toutes les raisons quand même de se méfier de cette équipe toulousaine et a des raisons de pouvoir douter quant à sa capacité à remporter cette deuxième Coupe de France consécutive, parce que Toulouse, c'est une dynamique plutôt favorable. Après la montée acquise l'année dernière et un maintien quasi acquis en Ligue 1, eh bien cette équipe toulousaine reste sur 3 victoires lors des 4 derniers matchs de Ligue 1. Nantes, à l'inverse, n'a pas gagné une seule de ses 9 rencontres de Ligue 1. Donc attention à cette dynamique qui peut jouer des tours aux Nantais, mais les Toulousains ont d'autres arguments aussi à faire valoir quand Nantes, en termes d'identité de jeu et de continuité dans le jeu justement, n'a pas de certitude. C'est la grande difficulté des Canaries cette saison, à trouver une identité, à s'impliquer durablement dans un système de jeu. Et puis le dernier clin d'œil, c'est Moussa Sissoko, évidemment, le Toulousain de formation. Eh bien lui, il n'a jamais gagné une finale 0 sur 4. Et si on ajoute la deuxième place de Tottenham en première ligue, eh bien ça fait 5 de deuxième place pour le nouveau milieu de terrain du FC Nantes.